Bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est un plaisir, mais surtout un grand honneur pour moi, de recevoir la ministre de la Culture de notre pays, Madame Rima Abdulmalak. Elle vient à La Réunion pour mesurer toutes les politiques culturelles que nous mettons en place. Et le département a un rôle majeur dans ce domaine-là, parce que je connais que le département, depuis de longues années, depuis la départementalisation qui est intervenue en 1946, nous avons dans notre patrimoine une richesse culturelle incroyable à travers les musées. À Saint-Denis, tout le monde connaît le musée Léon Dierx. Tout le monde y connaît le muséum d'histoire naturelle au Jardin de l'État. Et au-delà de Saint-Denis, à la Grande Chaloupe, il y a le Lazaret, lieu de l'histoire de l'engagisme à La Réunion. Quand on se déplace dans l'Ouest, il y a le musée de Villèle, lieu emblématique de la période douloureuse de l'esclavage. Et bien, tous ces domaines, propriétés du département, sont pour nous une source pour informer, sensibiliser d'abord les Réunionnaises et les Réunionnais sur la culture réunionnaise, mais aussi sensibiliser les touristes qui viennent à La Réunion sur l'histoire, le patrimoine et la culture réunionnaise. Et puis le département, comme je l'ai dit, c'est son patrimoine culturel, mais c'est aussi toutes les aides que nous apportons au quotidien aux acteurs. Par exemple, les théâtres départementaux, théâtre de Saint-Gilles, théâtre de Champfleury, ça aussi c'est au département. Et on voit toutes les scènes de spectacle qui sont proposées dans tous les domaines à tous les Réunionnais. On soutient aux quatre coins de l'île, dans les hauts, dans les bas, dans l'ouest, dans l'est, partout, des salles de spectacle. On soutient des associations de musique. Nous avons des résidences d'artistes. La politique culturelle, ce sont des associations qui sont aussi aidées par le département. Et je tiens à dire un grand merci à tous les acteurs culturels, à tous les artistes, à tous les éducateurs, les professeurs qui participent à l'animation culturelle de La Réunion. Et je voudrais dire aux autres quand même que nous avons deux projets majeurs au Lazaret, Grande Chaloupe, un chantier d'insertion pour maintenir, entretenir, réhabiliter le Lazaret à la Grande Chaloupe. Nous avons ici à Villèle le grand chantier qui est la transformation du site du musée de Villèle en musée de l'histoire de l'esclavage que nous allons appeler le musée de l'habitation de l'esclavage. Et pour nous, nous voulons que le musée de Villèle y prenne une nouvelle dimension, une dimension scientifique, avec des recherches, des fouilles, parce que nous trouvons sur le musée de Villèle des outils que les esclaves ont utilisés. Ça, c'est la partie scientifique, mais pas que ça. Il y a aussi le travail avec les historiens pour que l'histoire, justement, de l'esclavage soit mise en avant. Et nous travaillons ici à La Réunion, mais aussi avec des acteurs dans l'Hexagone. La fondation, par exemple, de l'esclavage, avec l'ancien Premier ministre, M. Hérault, travaille avec nous. Nous travaillons avec les pays de la zone, Madagascar, les Comores, le Mozambique, l'Afrique du Sud. Et quand nous partons un peu plus vers le sud, à Saint-Pierre, bien là aussi, dans la ville de Saint-Pierre, le département, en lien avec la commune de Saint-Pierre, nous veut mettre en place un bel outil culturel pour faire que la culture rayonne dans le sud aussi, à travers ce bel outil qu'on va mettre en place. Donc c'est tout ça que nous portons pour vous autres, mes amis, parce que nous voulons que les enfants de La Réunion bénéficient des mêmes droits, des mêmes avantages en matière d'accès à la culture que tout enfant qui naît sur le territoire de la République. Nous voulons que les familles, quand tu veux faire une sortie, que tu puisses aller sur les sites culturels du département. Nous voulons que les bonnes grands-mounes, que la fée La Réunion, tu bénéficies des outils culturels du département pour que tu connaisses, que tu penses au passé
que Zati voit que la Réunion a évolué sans oublier son passé, sans oublier son histoire. C'est tout cela que nous fait au département pour le rayonnement culturel. Merci à Zati.